Il aurait pu apprendre le violon ou le piano, jouer qu'un cause de beau comme Angèle Dubeau. Il aurait pu prendre des cours de solfège, faire des arpèges, jouer dans l'harmonie du collège. Au début, on pensait que c'était rien qu'une mauvaise pause. On se disait, faut bien que jeunesse se passe. Mais là, on commence à en avoir notre voyage. La vulgarité, du bruit, puis du criage. Dire qu'il aurait pu être admis au conservatoire, mais il fait de la musique barbare. Il fait de la musique barbare. Pendant que tant de gens qui ont à dire de quoi sont réduits au silence, sont baïonnés, sont sans voix. Lui, qui a une tribune, la gaspille sans scrupule, en faisant étalage de son chaos mental. Il se roule dans la fange, se cantonne dans la frange, toujours plus haineux, débile et criant. Ouais, il fait de la musique barbare. Il fait de la musique barbare. Non mais, m'avez-vous vu ce Cro-Magnon? Comment qualifier de musique ces bruits qui n'ont rien d'artistique? Non mais, m'avez-vous vu ce Cro-Magnon? Ce qui ronfle en sa tombe au panthéon de la honte. Il ferme ses goussets, qu'on lui rabatte, on fait le caquet. À lui, puis ses amis, qui font du bruit avec leurs amplis. Qu'on le barre de tous les bords, qu'on l'emborde, qu'on le jette par-dessus bord, qu'on l'expulse hors de nos remparts, et qu'on l'abandonne à son sort. Car il fait de la musique barbare. 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 Il fait de la musique barbare.